Nicolas Machiavel, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. https://fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 31 octobre 2022. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Troisième section, philosophie politique. Les avis sont très divisés sur la pensée de Machiavel, un auteur que Raymond Aron décrit comme, début de citation, le sphinx, le diplomate au service de Florence, le patriote italien, l'auteur dont la prose, à chaque instant limpide et globalement équivoque, dissimule les intentions dont les illuminations successives défient depuis quatre siècles l'ingéniosité des commentateurs. Fin de citation. Troisième section, première sous-section, rupture avec la philosophie politique antérieure. Deux images illustrent cette sous-section. Moïse brisant les tables de la loi par Rembrandt, 1659, Gemälde Galerie, Berlin. Machiavel est-il le Moïse du mal? Et Galileo Galilei par le Tintoret, 1505, National Maritime Museum, Greenwich. Machiavel est-il le Galilée de la philosophie politique? Pour Léo Strauss, Machiavel signe la fin de la philosophie politique classique, telle qu'inaugurée par Platon et Aristote, dont le but était de développer la vertu, où la morale était, début de citation, quelque chose de substantiel, une force dans l'âme de l'homme. Fin de citation. Alors que chez Machiavel, au contraire, la morale est distincte du politique. En raison de la radicalité de la pensée de Machiavel, l'historien estime que le vrai fondateur de la philosophie politique moderne est Thomas Hobbes, qui, en quelque sorte, adoucira la pensée du Florentin. Pierre Manin caractérise les différences entre Machiavel et Hobbes par une formule lapidaire, début de citation, Machiavel théoricien de l'action politique, Hobbes théoricien de l'institution. Fin de citation. Rupture entre pouvoir et morale. Tout au long de son ouvrage, Le Prince, Machiavel critique la thèse dominante, à son époque, selon laquelle l'autorité légitime découle de la bonté morale. Il estime qu'on ne peut juger du caractère légitime ou illégitime du pouvoir sur une base morale. Maurizio Viroli soutient que les passages du Prince les plus controversés sont d'autant d'attaques explicites de la théorie politique de Cicéron. À une remarque du Romain notant que ce qui est réalisé par la fraude et la force est bestial et indigne de l'homme, Machiavel réplique que celui qui gouverne doit aussi bien employer des moyens bestiaux que des moyens proprement humains. À Cicéron, soutenant que pour assurer son influence, il vaut mieux recouvrir à l'amour qu'à la peur, Machiavel répond qu'il est plus qu'efficace d'être craint que d'être aimé. Aux Romains, soutenant que la cruauté est ce que la nature humaine a le plus en horreur, Machiavel rétorque au chapitre 8 du Prince, début de citation, on peut appeler cruauté bien utilisée, si du mal il est permis de dire du bien, celle que l'on fait d'un coup, en raison de la nécessaire sécurité, et dans lesquelles on ne persiste pas par la suite, mais qui se convertissent en plus de profit pour le sujet. Fin de citation. Toutefois, il ne faut pas imaginer que Machiavel soit dans l'opposition totale avec les principes de Cicéron. Selon Maurizio Viroli, le Romain a raison sauf dans le cas où la survie de l'État est en cause. D'une façon générale, Neidermann soutient que pour Machiavel, début de citation, la notion de droit légitime de gouverner n'ajoute rien à la possession actuelle du pouvoir. Fin de citation. L'essence de la politique réside dans l'étude de la façon d'utiliser le pouvoir afin d'assurer la sécurité de l'État, de se maintenir au pouvoir et d'être obéi par le peuple. Si Machiavel estime que de bonnes lois et une bonne armée solide dont la base d'un système politique efficace, néanmoins chez lui la force prime sur la loi. Pour Léo Strauss, Machiavel inaugure, début de citation, une politique fondée exclusivement sur des considérations de commodité, une politique qui emploie tous les moyens, loyaux ou déloyaux, et prépare la révolution effectuée par Hobbes. Fin de citation. Pour cet historien de la philosophie politique, chez Machiavel, tout comme chez Hobbes ensuite, début de citation, au commencement, il n'y a pas l'amour, mais la terreur. Fin de citation. Machiavel serait donc le Moïse d'un nouveau décalogue de la philosophie politique, nouveau décalogue qui conduit au désastre. Accentuant encore cette vision critique, Pierre Manant estime que, début de citation, les idées de Machiavel équivalent
à une défaite de l'universel. Sa conception du prince double, sa thématique obsédante de la violence indispensable, de la cruauté salutaire, ne sont logiquement et politiquement nécessaires qu'en raison des éléments à partir desquels Machiavel construit sa théorie. L'individu dépouillé de prérogatives que la philosophie classique lui reconnaissant est l'événement inadmissible, à ses yeux, par les universels dont disposait son époque. Fin de citation. Maurice Merleau-Ponty trouve Machiavel finalement plus moraux que ceux qui font profession de moralité, et qui, tout en prétendant s'occuper des autres, ne se soucient en réalité que d'être d'accord avec eux-mêmes et ignorent ce que désirent ceux à qui ils destinent leur moralisme. Quel sens a donné à cette rupture ? Machiavélisme, empirisme ou réalisme ? Machiavel aborde la chose politique de façon neutre quant à la personne au pouvoir. La lecture du prince a fait du mot machiavélique un synonyme de tromperie, de despotisme et de manipulation politique. Léo Strauss incline à suivre la tradition qui voit Machiavel comme un enseignant du mal, en anglais « teacher of evil ». Dans la mesure où ce dernier conseille au prince de ne pas se soucier des valeurs de justice, de pitié, de tempérance, de sagesse et d'amour de leur peuple pour leur préférer l'usage de la cruauté, de la violence, de la peur et de la tromperie. En ce sens, il voit Machiavel comme l'opposé de l'américanisme et ses aspirations des Américains. Dès 1605, Bacon avait reconnu que Machiavel ne fait rien d'autre que dénoncer ouvertement ce que font les gouvernements plutôt que ce qu'ils devraient faire. De même pour le philosophe antifasciste italien Benedetto Croce, 1925, Machiavel est un réaliste ou un pragmatique qui a compris que les valeurs morales n'ont qu'une influence limitée sur les décisions que dirigeants politiques. Pour le philosophe allemand Ernst Cassirer, 1946, Machiavel adopte l'attitude d'un homme de science politique. Il est le Galilée de la politique qui distingue entre les faits de la vie politique et les valeurs des jugements moraux. Troisième section, deuxième sous-section, la politique chez Machiavel, science pure, science humaine ou art. Une image illustre cette sous-section. Missif officiel de Machiavel en novembre 1502, alors qu'il est au camp de César Borgia à Imola. Science pure ou retour à la sagesse politique romaine. Insistant sur l'inutilité de théoriser à partir des citations fictives, Machiavel est parfois vu comme le prototype du scientifique moderne qui construit des généralisations à partir de l'expérience des faits historiques. Début de citation. Il a émancipé la politique de la théologie et de la philosophie morale. Il a entrepris de décrire simplement ce que faisaient les dirigeants et a anticipé ce qu'on a appelé plus tard l'esprit scientifique dans lequel les questions du bien et du mal sont ignorées, et où l'observateur cherche à découvrir seulement ce qui s'est vraiment passé. Fin de citation. Baudrillard, plus nuancé, estime que Machiavel, début de citation, a conçu la politique plutôt comme art que comme science. Sa politique est tout en action, que ce soit oubli ou scepticisme, peu importe. Il a laissé le côté à peu près complètement ce qui fait de la politique une science dans l'acception philosophique du mot, je veux dire l'étude des fondements mêmes de la société et la comparaison rationnelle de sa législation. Cette notion si philosophique de la loi, comme l'a conçue Montesquieu, est étrangère et antipathique à son génie. Fin de citation. Pour Raymond Aron, la politique chez Machiavel est essentiellement une technique de l'action qui pense uniquement en termes de moyens et qui finit par confondre fin et moyen. Le problème est qu'un tel projet de science politique risque pour lui d'aboutir à un amoralisme excessif. Néanmoins, Aron insiste sur le caractère scientifique de la démarche de Machiavel, et il rapproche de celle de Wilfredo Pareto. Notons que les études d'Aron se sont surtout portées sur ce que on peut à nous apprendre Machiavel de la politique étrangère, dans une optique proche du réalisme, même s'il estime que les méthodes de Machiavel et de Pareto donne une vision appauvrie car l'existence humaine est défigurée par ce mode réaliste de considération. Pour Léo Strauss, Machiavel évoque, début de citation, une espèce d'aristotélisme dégagé en supposant sans preuve qu'une science naturelle théologique, c'est-à-dire guidée par une cause finale, n'est pas possible. Fin de citation. Mais ce faisant, Machiavel ne faisait qu'anticiper la nouvelle science naturelle qui se développera au XVIIe siècle, avec laquelle il aurait une parenté cachée. En effet, alors que les classiques recherchaient l'état normal ou moyen,
les moyens modernes vont davantage se fonder sur les cas extrêmes et l'exception pour théoriser. Selon Maurizio Viroli, il est erroné de considérer Machiavel comme le fondateur de la science politique, car le Florentin n'est pas un scientifique quel que soit le sens que l'on donne à ce terme. Il n'est pas un scientifique au sens empirique du terme, car il ne cherche ni à collecter, ni à décrire un ensemble de faits adéquats, mais interprète, début de citation, les mots, les actions, les gestes et les textes afin de donner des conseils, de faire des prédictions et de reconstruire les histoires post factum. Fin de citation. Il n'est pas non plus un scientifique à la Hobbes, dont le système est basé sur des déductions à partir de définitions irréfutables des mots. Sa méthode n'est pas non plus celle de Galilée, car Machiavel ne fait ni expérimentation ni généralisation basée sur un nombre significatif de faits. Enfin, Machiavel n'est pas un scientifique entendu au sens de personne refusant de recourir au surnaturel, car la fortune, le sort, revêt chez lui une importance certaine. Maurizio Viroli soutient que ce qu'on a pris comme de la science se relève de l'art du rhéteur. Machiavel utilise sa connaissance de l'histoire et sa capacité à interpréter les actions, les mots et les gestes pour convaincre. Dans cette optique, la politique n'est pas seulement une épreuve de force, elle requiert également de l'éloquence. Et les livres comme les discours, et surtout le prince, doivent être lus non comme des écrits visant à exposer une vérité scientifique ou morale, mais comme un appel à l'action. Cette manière de lire le prince est, selon Viroli, la seule qui permette de comprendre pourquoi Machiavel a mis à la fin de son livre une exhortation à prendre l'Italie et à libérer des barbares, passage qui n'a rien à faire dans un écrit à volonté scientifique. En un mot, pour le spécialiste italien, Machiavel représente le sommet de la tradition romaine, de la scientia civilis, basée sur l'art de la délibération. Ce faisant, il s'inscrit dans une tradition où la rhétorique est vue comme un instrument politique servant à façonner les réponses de ses interlocuteurs et à influencer leur volonté. Machiavel s'inscrit ici dans la tradition de la rhétorique politique et juridique théorisée par les travaux d'Aristote, de Cicéron et de Quintilien, telle qu'elle a été reprise à partir des XIIe et XIIIe siècles dans les cités-états italiennes. À Florence, le chancelier Brunetto Latini, 1210 à 1294, surtout connu de nos jours comme étant un des âmes damnées de l'enfer de Dante, a beaucoup écrit sur l'utilité de l'éloquence dans le traitement des conflits politiques. Science humaine et arbitrage entre morale de la responsabilité et morale de la conviction. Pour Max Weber, il ne peut y avoir dans les sciences humaines de science pure, car il y a toujours un conflit entre jugement de réalité et jugement de valeur. C'est d'ailleurs ce qui a attiré Raymond Aron chez Weber, car cette distinction manque à la sociologie positiviste française issue d'Auguste Comte. L'idée de Weber étant que les fins ultimes des humains ne révèle pas de la science mais du choix des valeurs effectuées par l'individu. Or, dans les sciences humaines, nous avons le choix entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction. Dans la première, on doit prévoir les conséquences de nos actes, alors que dans la seconde, on agit selon notre conscience au risque d'être inefficace. Ce conflit entre deux éthiques opposées serait, selon Weber, présent chez Machiavel. Début de citation. Dans un beau passage de ses histoires florentines, si mes souvenirs sont exacts, Machiavel fait allusion à cette situation et met dans la bouche d'un héros de cette ville les paroles suivantes pour rendre hommage à ses concitoyens. Ils ont préféré la grandeur de leur cité au salut de leur âme. Fin de citation. Il s'ensuit qu'on a toujours un arbitraire à se faire entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction. Dès lors, selon Aron, Weber ne voyait pas dans la réelle politique de Machiavel, début de citation, une caricature de la morale de la responsabilité, mais plutôt une volonté réaliste de trancher entre deux extrêmes qui fait que tout politicien est un peu machiavélique. Fin de citation. Troisième section, troisième sous-section, la notion d'État. Une image de Johann Gottlieb Fichte, un philosophe qui a marqué la conception hegélienne de l'État, lithographie de 1808, illustre cette sous-section. Dans Le Prince, le mot « État » Stato ne signifie plus condition, position, mais est employé pour signifier l'acquisition et l'exercice du pouvoir coercitif. Selon Maurizio Viroli, au temps de Machiavel, le mot état évoquait non seulement le pouvoir d'un homme sur la cité,
mais également le conflit entre, d'un côté, l'intérêt de l'État, et d'autre part, l'éthique chrétienne et la loi internationale. Friedrich Meinecke, quant à lui, voit en Machiavel le premier à avoir formulé le concept moderne d'État au sens de Max Weber, c'est-à-dire comme un ensemble de règles impersonnelles assurant un monopole de l'autorité sur un territoire. Mansfield, 1996, au contraire insiste sur le fait que le mot garde encore à cette époque le sens de « dominium », de domaine privé, et n'a pas encore l'aspect impersonnel mécanique de la notion moderne d'État. Pour les Médicis, en effet, le terme « État » désignait le pouvoir d'une famille ou d'un homme sur les institutions de la cité. Toutefois, ce qui est nouveau, c'est l'insistance mise par Machiavel sur le fait que pour qu'un État puisse se procéder réellement lui-même, il doit disposer d'une armée composée de ses citoyens ou de ses sujets. Si de nombreux chercheurs estiment à la suite de Friedrich Meinecke que Machiavel a contribué à forger la notion de raison d'État, selon laquelle le bien de l'État doit prendre le pas sur toute considération morale, Maurizio Vairoli se contente pour sa part de constater que vers le début des années 1520, dans le conflit entre l'intérêt de l'État, de la raison morale et légale, l'intérêt de l'État est alors perçu comme équivalent à la raison d'État, de sorte que le conflit devient un affrontement entre deux raisons. Raymond Aron insiste sur le fait que la conception de l'État comme instrument de contrainte légitime est basée sur une anthropologie où l'homme est vu comme naturellement amoral, un concept que Fichte reprendra à Machiavel pour en faire le principe premier de sa philosophie de l'État. De façon assez proche, pour Jacques Maritain, le culte de l'État initié par Hegel et ses disciples ne serait qu'une sublimation métaphysique des principes de Machiavel. Encore plus pessimiste, Léo Strauss voit en Machiavel un philosophe qui envisage la condition humaine à partir du sous-homme plutôt que du surhomme. Troisième section, quatrième sous-section, conditions humaines, religion et politique. Deux images illustrent cette sous-section. Jupiter peint sur un mur de Pompéi, avec l'aigle et le globe, fresque de la maison des Dioscures, musée archéologique national de Naples. Et De Rerum Natura, édition de 1570 de Lucrèce, qui a influencé Machiavel. Conditions humaines et cosmos. Selon Machiavel, les hommes sont conduits par l'ambition et l'avarice à la discorde et à la guerre. Dans son poème « Le chant des esprits heureux », il décrit un monde marqué par la cruauté et la vie misérable des mortels. Machiavel a assisté durant sa vie à bien des cruautés, notamment le sac de la ville de Prato en 1512, où, d'après ce qu'il écrit dans une de ses lettres, il aurait vu périr plus de 4000 personnes. Pour le Florentin, l'homme est l'animal le plus malheureux et le plus dépourvu de tout. Dans un poème intitulé « L'âne d'or », un porc lui dit, début de citation, « À combien d'infirmités vous assujettit la nature d'abord et ensuite la fortune? Combien celle-ci vous promet-elle de bien sans jamais tenir ses promesses? Vous avez en partage l'ambition, la luxure, les larmes et l'avarice, vrai gal de cette existence dont vous faites tant de cas. Il n'est aucun animal dont la vie soit aussi fragile, qui soit possédé d'un si grand désir de vivre, sujet à plus de peur, à plus de rage. » Fin de citation. Dans ce poème, Machiavel fait parfois explicitement référence au « De Rerum Natura » de Lucrèce qu'il a traduit. Le penseur ne voit pas l'être humain comme étant le maître de l'univers, il le perçoit plutôt comme la victime de la nature et du destin. Chez Machiavel, si la nature humaine reste inchangée au cours de l'histoire, ce qui permet de tirer des généralisations des récits historiques, en revanche les événements dépendent aussi d'éléments cosmiques et d'une évolution des mœurs qui revêt un caractère cyclique. Machiavel écrit à cet égard, début de citation, « La vertu donnera tranquillité aux États, la tranquillité enfante la mollesse, et la mollesse consume les nations et les maisons. Enfin, après avoir traversé une période de désordre, les cités voient la virtu renaître dans leurs murs. Celui qui gouverne l'univers permet cet ordre de choses, afin que rien ne soit ou ne puisse être stable sous le soleil. » Fin de citation. Le cosmos chez Machiavel comprend le ciel, la fortune, qu'il décrit dans le poème de la fortune, comme une déesse que même Jupiter redoute, et enfin Dieu, le dernier recours des malheureux. Si dans son ouvrage « Le Prince », la référence à Dieu est peu présente,
Machiavel le mentionne 5 fois dans l'exhortation pour libérer l'Italie, un passage tourné vers l'avenir qui conclut cet ouvrage. Religion et politique. Du temps de Laurent le Magnifique, et juste après, à l'époque de Machiavel, la pensée populaire à Florence mêlée à un déterminisme astrologique, un idéalisme platonicien qui valorisait les hommes avisés comme l'avait été Laurent. Ce cadre qui se prêtait au providentialisme chrétien attirait autant Machiavel qu'il le repoussait. Au point de vue religieux, Machiavel est très influencé par Lucrèce. Virgilio Adriani, un professeur de l'université de Florence, qui a été son chef à la chancellerie, soutenait que Lucrèce permettait d'éradiquer la peur superstitieuse en permettant de comprendre la nature des choses. Il soutenait également que les sacrifices destinés à attirer les bonnes grâces des dieux maintenaient les hommes en esclavage en accroissant leur peur. Enfin, Adriani insistait sur la flexibilité et la mobilité nécessaires pour faire face aux changements de la fortune. Toutefois, si Machiavel accepte pour l'essentiel la vision d'Adriani sur Lucrèce, il se déréférencie de Lucrèce sur un point clé. Alors que le Romain veut libérer les hommes de la peur, Machiavel, lui, veut l'utiliser à des fins politiques. Dans Les Discours, il montre comment les Romains utilisaient la religion et la peur pour faire accepter les lois et leur conférer une autorité. Il reproche dans Les Discours à la religion chrétienne d'encourager la passivité, quand la religion romaine encourageait à réagir vivement. En fait, chez Machiavel, la politique ne s'autonomise pas seulement de la religion, comme l'a pensé Bernardo Croce. Pour Alison Brown, elle le subordonne et en fait un de ses instruments. En cela, il suit Polybe plus que Tite Live. Machiavel fait une critique indirecte de la religion dans ses discours sur la première décade de Tite Live, où il examine les causes de la décadence de l'Empire romain. Il attribue celle-ci à la religion chrétienne. Début de citation. Lorsque l'on considère pourquoi les peuples de l'Antiquité étaient plus épris de la liberté que ceux de notre temps, il me semble que c'est par la même raison que les hommes d'aujourd'hui sont moins robustes, ce qui tient à mon avis à notre éducation et à celle des anciens, aussi différentes entre elles que notre religion et les religions antiques. En effet, notre religion, nous ayant montré la vérité et l'unique chemin du salut, a diminué à nos yeux le prix des honneurs de ce monde. Fin de citation. Machiavel revient sur cet aspect dans L'Art de la guerre. À la question « Pourquoi la vertu militaire est-elle aujourd'hui éteinte ?», Fabrizio, le porte-parole de Machiavel, répond, début de citation, « Il faut en accuser les nouvelles mœurs introduites par la religion chrétienne. Il n'y a plus de nos jours la même nécessité de résister à l'ennemi. Aujourd'hui, la vie des vaincus est presque toujours respectée. Une ville a beau se révolter 20 fois, elle n'est jamais détruite. » Fin de citation. Gérard Colonna d'Istria et Roland Frappé voient chez Machiavel une, début de citation, passion antichrétienne soigneusement dissimulée dans une stratégie d'écriture qui procède par d'attaques dispersées tout en aboutissant à une condamnation radicale du christianisme. Fin de citation. Machiavel déplore l'état lamentable d'une Italie déchirée par la politique des papes, les vices de ces derniers, le fanatisme chrétien qui débouche notamment sur la pieuse cruauté de Ferdinand d'Aragon, premier roi de la chrétienté, qui expulse d'Espagne les Maranes. Selon ses auteurs, début de citation, Machiavel crut découvrir la preuve éclatante qu'un but trop ambitieux pouvait mener l'homme à la bestialité. Il étudia avec passion ce renversement sans précédent qui, bien que surprenant dans ses excès, témoignait cependant d'une logique implacable. Fin de citation. Quatrième section, les grandes thématiques de la pensée politique de Machiavel. Première sous-section, la notion de conflit. Une image d'un buste d'Aristote dont les écrits sur la rhétorique ont influencé Machiavel, Musée national romain, Palais Altan, illustre cette sous-section. Selon Machiavel, c'est le conflit entre les nobles et le peuple qui a permis l'établissement de la liberté romaine en poussant à la création des lois et des institutions adéquates. Le conflit, chez lui, était inhérent à toute société, car l'opposition entre les grands et le peuple a quelque chose de structurel. Au chapitre 9 du Prince, Machiavel note, début de citation, « Mais venant à l'autre cas où un citoyen privé, non par scélératesse ou par violence intolérable, mais par la faveur de ses concitoyens, devient le prince de sa patrie,
Je dis qu'on atteint à cette autorité suprême ou par la faveur du peuple ou par celle des grands. Parce que dans le corps de toute cité, on trouve ces deux humeurs. Cela vient de ce que le peuple désire, n'être pas commandé ni opprimé par les grands, et que les grands désirent commander et opprimer le peuple. De ces deux apprêts divers naît dans les villes un de ces trois effets, principauté ou liberté ou licence. Fin de citation. De même pour Claude Lefort, début de citation, l'un des apports majeurs de Machiavel réside dans la reconnaissance de la fécondité potentielle de l'antagonisme social. Fin de citation. Il suit en cela une approche de Machiavel, en partie poursuivie par Maurice Merleau-Ponty, dans son livre de 1947, « Humanisme et terreur ». Approche qui leur a permis de rompre avec une thèse centrale de l'orthodoxie marxiste voulant que, début de citation, « le conflit politique puisse être définitivement dépassé ». Fin de citation. Chez Machiavel, le conflit a le mérite de sortir les êtres humains de la quiétude qui, selon lui, mène à la corruption et à l'indolescence et fait obstacle à la réalisation de grands projets. Le problème n'est pas le conflit, mais sa gestion. À Rome, les conflits politiques intérieurs ont été longtemps résolus par des disputes rhétoriques, disputando, alors qu'à Florence, ils l'ont été par des combats armés, combattendo. Or, si de la discussion peuvent naître des nouvelles lois, rien de tel ne peut émailler des conflits visant à la domination d'un camp sur l'autre. Cette démarche conduit un auteur comme Pierre Manant à qualifier la théorie machiavélienne de démocratique et à noter, début de citation, « la violence et la cruauté qui sont au monde ne naissent pas de la méchanceté de chacun, mais de la pluralité des existences séparées. C'est en gardant les yeux fixés sur ce centre que l'on peut comprendre pourquoi et dans quelle mesure la théorie machiavélienne peut être dite démocratique. La politique machiavélienne est donc démocratique en ce premier sens qu'elle tire les conséquences de la ruse objective de la force. Elle est démocratique en un deuxième sens, contrairement à la tradition aristocratique qui voit la cause des troubles intérieurs dans la convoitise du peuple, Machiavel la trouverait plutôt dans l'avidité des grands. » Fin de citation. Mais l'éloquence n'est pas suffisante pour garder le peuple uni, d'où la nécessité de recourir parfois à la violence, ou du moins à la force, comme Machiavel le dit implicitement dans la phrase célèbre du prince, début de citation, « tous les prophètes armés ont triomphé, désarmés, ils se sont effondrés. » Fin de citation. Machiavel est d'autant plus sensible à cette limite de l'éloquence que dans l'art de la guerre, il accuse les princes italiens d'avoir trop compté sur le verbe et pas assez sur la force armée. Toutefois, il ne recommande le recours à la violence que si la nécessité, c'est-à-dire la survie de l'État, l'exige. Quatrième section, deuxième sous-section, le thème de la nécessité. Une image d'Hermès à deux visages montrant des vues d'Artiste, d'Hérodote et de Thucydide, collection Farnèse, Musée archéologique national de Naples, illustre cette sous-section. Selon Marina Mariatti, la notion de nécessité est un des mots-clés de l'œuvre. En effet, chez Machiavel, c'est la nécessité, les circonstances extérieures à l'homme, qui conditionnent l'action. Pour comprendre le Florentin, il faut se rappeler, souligne cette chercheuse, que l'Italie est alors le théâtre d'affrontements entre des puissances étrangères qui d'une certaine façon contraignent les cités-états à s'adapter à des donnes changeantes. Quoi qu'il en soit, l'introduction de la nécessité en politique provoque un changement profond. En effet, l'important n'est plus la prudence, mais l'adaptation aux circonstances en faisant preuve d'esprit d'innovation. Il s'agit par ailleurs d'une rupture avec la pensée de Thomas d'Aquin qui voulait que le choix de l'homme d'État ne soit dicté que par son libre arbitre et la recherche de la justice. Avec l'introduction de la nécessité, l'important c'est de faire face à des événements changeants, notion de fortune, et ce qui compte ce n'est plus la vertu, mais la virtu qui exige clairvoyance, courage et fermeté dans la décision. Une chose dont manquait selon Machiavel, Maximilien d'Autriche. La nécessité est liée chez Machiavel au bien. Dans l'anthropologie machiavélienne en effet, l'homme est soumis à une lassitude du bien, en italien, lo stucarsi del bene, provoquée par une des sources principales de la corruption chez ce penseur, l'oisiveté, la paresse orgueilleuse. Pour Machiavel, début de citation, les hommes ne font jamais le bien sinon par nécessité. Fin de citation. D'où la phrase bien connue du Florentin, début de citation, faire de nécessité vertu. Fin de citation. Thucydide et Machiavel, les deux fondateurs de la tradition du réalisme,
accorde la première place à la notion de nécessité, qui découle non seulement des événements extérieurs, mais également de la nécessité qu'induit une nature humaine, considérée comme stable. Toutefois, alors que chez l'historien grec, il y a, début de citation, une tension inextinguible entre la nécessité immorale et les possibilités éthiques de la politique, fin de citation, un élément moral ou humain qui transcende la nécessité, pour Machiavel, début de citation, la nécessité externe et le réalisme qu'elle impose permettent de sauver la communauté. Fin de citation. Quatrième section, troisième sous-section, la notion de temps. Chez Machiavel, le temps est linéaire. Aussi, l'échec signifie, début de citation, l'immersion sans retour dans l'abîme du non-être politique. Fin de citation. Il faut donc s'adapter au temps présent. Pour durer dans le temps, une république peut dresser une architecture institutionnelle destinée à résister à la corruption liée au temps. Machiavel écrit à ce propos, début de citation, « Rien au contraire ne rendra une république ferme et assurée comme de canaliser, pour ainsi dire par la loi, les humeurs qui l'agitent. » Fin de citation. Chez le Florentin, les changements introduits par le temps peuvent conduire à un retour vers des conditions d'origine et provoquer un renouvellement comme cela a été le cas dans la religion catholique grâce à François d'Assise et à Dominique de Guzman, et comme c'est le cas selon lui dans la monarchie française de son temps. Parlant de la religion, il note, début de citation, « Mais cette rénovation n'est pas moins nécessaire pour les religions, et la nôtre même en fournit la preuve. Elle eût été entièrement perdue si elle n'eût pas été ramenée à son principe par saint François et saint Dominique. Les nouveaux ordres qu'ils établirent furent si puissants qu'ils empêchèrent que la religion ne fût perdue par la licence des évêques et les chefs de l'Église. » Fin de citation. Quatrième section, quatrième sous-section, corruption politique et religion. Une image illustre cette sous-section. Selon Lord Acton, le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Portrait de Lord Acton par Franz Xerath von Lembach vers 1879, National Portrait Gallery. Pour Machiavel, la corruption politique provient du fait que des êtres humains ne veulent pas mettre le bien commun de la cité au-dessus des intérêts particuliers ou des intérêts d'une catégorie sociale, communauté, classe sociale, etc. Selon Viroli, début de citation, la corruption est aussi une absence de virtu, une sorte de paresse, d'inaptitude à l'activité politique ou un manque de force morale et physique nécessaire pour résister à la tyrannie et pour empêcher les hommes ambitieux et arrogants d'imposer leur domination sur la société. Fin de citation. Il y a corruption politique quand on n'obéit plus aux lois, quand la peur de Dieu a disparu, quand, vivant sous l'emprise d'un prince depuis longtemps, les peuples ont acquis des habitudes serviles, ne se sont plus capables de délibérer par eux-mêmes, quand les différences de richesse deviennent exagérées, quand le pouvoir devient absolu. Très critique envers la corruption de l'Église de son époque, il estime que tout lien entre religion et politique aboutit inévitablement à les corrompre toutes les deux. En outre, une Église qui ne serait pas corrompue, tout en étant plus respectable, serait encore plus dommageable pour la sphère publique en raison des préceptes même de la religion chrétienne. Il oppose ainsi cette dernière à la religion romaine. Début de citation. Notre religion place le bonheur suprême dans l'humanité, l'abjection, le mépris des causes humaines. Et l'autre, au contraire, la faisait consister dans la grandeur d'âme, la force du corps et dans toutes les qualités qui rendent les hommes redoutables. Fin de citation. Pour Machiavel, la corruption détruit la liberté politique et met les peuples en état de servitude. Sortir d'un tel état est difficile, car cela demande une force, une virtu, peu commune mais qui apporte la vraie gloire. Une telle rédemption doit se faire en instaurant une nouvelle loi, un nouveau gouvernement par la loi. Dans cette optique, le recours à la force devient légitime, quand c'est le seul moyen. Pour cet admirateur de la République romaine décrite dans les 10 livres de Tite Live, cette restauration de la vertu nécessite un régime républicain. Cinquième section, l'homme d'État. Quelles qualités et quelles expertises pour Machiavel ? Première sous-section, Machiavel critique de l'art de l'état des Médicis. Cosme de Médicis a bâti la puissance de sa famille en se constituant grâce à la distribution de faveurs un réseau d'affiliés qui lui ont donné le contrôle des institutions de Florence.
Lui et ses successeurs ont gouverné en jouant de leur influence sans se mettre en avant, sans changer la constitution et sans jamais réclamer le titre de prince. En revanche, lorsqu'en 1512, la restauration du pouvoir des Médicis à Florence se traduit par la fin de la République, les nouveaux gouvernants craignent les partisans de la République. Dès lors, deux voies s'ouvrent devant les Médicis. Utiliser la force, position soutenue par Paolo Vettori, ou établir un régime similaire à celui de Cosme, position recommandée par Giuliano de Medici. Machiavel estime que les nouveaux gouvernants surestiment la puissance des républicains. En effet, dans son opinion, ils oublient que les gens se préoccupent d'abord de leurs intérêts immédiats et veulent d'abord traiter avec les gouvernants présents, quels qu'ils soient. En revanche, il conseille aux Médici de se méfier des nobles, car ceux-ci sont toujours prêts à changer de camp si leurs intérêts et leurs ambitions les y conduisent. Par ailleurs, Machiavel pense que les Médici ne peuvent plus se concentrer de diriger cachés comme du temps de Cosme, car rien ne dit que les personnes qu'ils entendent à influencer les suivront. Il leur conseille aussi d'abandonner les politiques des faveurs, car, début de citation, les amitiés que l'on obtient à prix d'argent, et non par la grandeur et la noblesse de cœur, on les achète, mais on ne les possède pas, et le moment venu, on ne peut les dépenser. Fin de citation. Machiavel leur recommande donc d'avoir plutôt recours à la crainte. Il leur conseille également de transformer leurs sujets en partisans loyaux en les enrôlant dans une armée de la cité. Si on se place au niveau de la réflexion qui précède l'action, Machiavel enjoint à l'homme politique de se tenir informé de la situation, de bien interpréter les faits et de ne pas hésiter à comparer son analyse à celle d'autres experts en politique. Pour le Florentin, l'art de l'interprétation est difficile car les princes cachent leur jeu et théâtralisent leurs actions ou leurs paroles. L'expert politique ou l'homme d'État doit alors juger et décider en se basant sur les actions, les mains chez Machiavel, et non sur les dires, les yeux. Début de citation. Car les hommes, en général, jugent plus par leurs yeux que par leurs mains, tout étant à portée de voir et peu de toucher. Tout le monde voit ce que vous paraissiez. Peu connaissent à fond ce que vous êtes, et ce petit nombre n'osera point s'élever contre l'opinion de la majorité, soutenue encore par la majesté du pouvoir souverain. Fin de citation. L'interprétation des faits est également difficile, car les passions s'y mêlent de sorte que l'art du politique comporte toujours une partie de chance et dépend de la capacité à surmonter des vents contraires. Cinquième section, deuxième sous-section, la virtù et la maîtrise de la bonne ou mauvaise fortune. Une image de Kairos, le temps de l'occasion opportune, par Francesco Salviati, 1552 à 1554, Palais Sacchetti, Rome, illustre cette sous-section. La traduction du mot « virtù », qui revient souvent sous la plume de Machiavel, a longtemps été problématique. À compter des années 1970, son utilisation se répand par exemple par Claude Lefort, 1972, ou chez Jean-François Duvenois, 1974. En 1981, Quentin Skinner décide d'assumer ce choix et note. Début de citation. « Je persiste à considérer qu'il est impossible de trouver dans la langue anglaise contemporaine un terme ou un ensemble de périphrases susceptibles de constituer une traduction satisfaisante du concept de virtu, du latin virtus, concept central de l'œuvre de Machiavel. C'est pour cette raison que j'ai conservé ce terme ou les expressions qui le contiennent dans leurs formes originales tout au long du livre. » Fin de citation. En France, pour éviter les connotations attachées au mot français « vertu », qui avait peu après le même sens à l'époque, la plupart des spécialistes ont choisi depuis une cinquantaine d'années de conserver le terme de Machiavel. Le mot vient du latin « vir », qui caractérise l'homme au sens le plus noble du terme. Pour le dictionnaire Gaffo, « vir » désigne l'homme de caractère, l'homme qui joue un rôle dans la cité. Un ou une politique qui a de la virtu doit être capable de s'adapter aux situations et passer du bien au mal en fonction des circonstances que lui impose la fortuna. La virtu est un concept important parce que c'est la qualité que doivent posséder ou développer les hommes ou femmes politiques dignes de ce nom, c'est-à-dire capables de sauvegarder l'État et de réaliser de grandes choses. En fait, selon Duvernois, début de citation, loin de pouvoir faire de la virtu un trait psychologique, il faut dire au contraire que les rapports de la psychologie et de la virtu sont ceux d'une lutte. Fin de citation. Pour Helmut Plessner, contemporain de Heidegger,
la politique se définit de manière très machiavélienne, comme l'art de l'instant favorable de l'occasion propice, ce que les Grecs anciens appelaient le kairos. Cette recherche de l'instant favorable explique aussi pourquoi Machiavel associe souvent la fortuna et la virtù. Luciani la définit comme, début de citation, la capacité, l'habileté, l'activité, la puissance individuelle, la sensibilité, le flair pour les occasions et la mesure de ses propres capacités. Fin de citation. Pour John Greville Haggard Pocock, la virtu a aussi un double sens. Début de citation. D'instruments de pouvoir, comme les armes, et de qualités personnelles requises pour manipuler ces instruments. Fin de citation. Au chapitre 25 du Prince, Machiavel insiste sur la force aveugle de la fortuna. Début de citation. Je la compare à un fleuve impétueux qui, lorsqu'il déborde, inonde les plaines, renverse les arbres et les édifices, enlève les terres d'un côté et les emporte vers un autre. Tout fuit dans ses ravages. Tout cède à sa fureur. Rien ne peut y mettre obstacle. Fin de citation. D'une manière générale, la fortuna est une source de misère, d'affliction et de désastre. Pour faire face à la fortuna, il faut de la virtù organisée, en italien ordinata virtù, capable de la canaliser. Vaincre ou résister à la fortuna exige de s'adapter rapidement à des situations nouvelles, ce qui revient plus d'intuitivité et de virtù que de sagesse. Machiavel compare la fortune à une femme qui, début de citation, aime les jeunes gens parce qu'ils sont moins réservés, plus violents et qu'avec plus d'audace, ils la commandent. Fin de citation. Si les notions de fortuna et de virtu sont si importantes chez Machiavel, c'est selon Pocock parce que le livre Le Prince traite surtout des innovateurs en politique par des princes héritiers de longues dynasties qui bénéficient d'une légitimité traditionnelle. Si ces derniers peuvent se reposer sur la tradition et les structures existantes, au contraire, l'innovateur doit plus compter sur la fortuna et la virtu pour, début de citation, imposer la forme de la politéa, la constitution. C'est la fonction de la virtu d'imposer une forme à la fortuna. Fin de citation. Pour des grands législateurs fondateurs de grands peuples ou de grandes cités, il écrit, début de citation, on ne voit pas qu'ils aient reçu de la fortune autre chose que l'occasion, l'occasione en italien, qui leur donna une matière ou introduire la forme qui leur parut bonne. Sans cette occasion, leur virtu ne serait éteinte, et sans cette virtu, c'est en vain que l'occasion ne serait présentée. Il était donc nécessaire que Moïse trouve le peuple d'Israël en Égypte esclave et opprimé par les Égyptiens, afin que celui-ci, pour échapper à la servitude, se décide à le suivre. Il convenait que Romulus ne se contente pas d'Albe, qu'il ait été abandonné à sa naissance, s'il ne voulait que devienne roi de Rome. Fin de citation. Léo Strauss note que chez Machiavel, la virtu s'oppose parfois à la bonté, une opposition qu'il reprendrait à Cicéron. Ce dernier, dans la continuité de la République de Platon, oppose la tempérance et la justice, qui sont requises de tous, au courage et à la sagesse, qui sont exigés que des dirigeants. Chez Machiavel, on distingue un rapport un peu analogue entre virtu et bonté. La première est nécessaire aux dirigeants, la seconde étendue de façon un peu péjorative au sens d'obéissance mêlée de crainte et caractéristique de la grande masse de la population engagée, ni dans la politique ni dans le militaire. Cinquième section, troisième sous-section, la gloire comme principe d'immoralité et de modération. Une image de Chiron introduisant le jeune Achille, fresque de Herculaneum, Musée archéologique national de Naples, illustre cette sous-section. Machiavel, comme les humanistes et Cicéron, estime que la gloire n'a pas besoin d'une sanctification divine. À la manière des anciens Romains et Grecs d'avant le christianisme, il estime que la poursuite des honneurs humains, c'est-à-dire de ce monde, étendu comme différent de l'autre monde, celui du divin, constitue un grand bien, d'autant que les hommes et les femmes aspirent à suivre l'exemple des princes glorieux et respectés. Pour le Florentin, la gloire de ce monde, malgré l'inconstance et l'arbitraire des hommes, peut avoir quelque chose d'immortel quand elle est vraie, quand elle est ce à quoi les hommes d'État doivent aspirer. Chez Machiavel, la gloire et l'infamie ont en commun d'apporter à leur titulaire
une sorte d'immoralité en ce sens qu'elle reste toujours vivante dans la mémoire de l'humanité. Les chemins qui mènent à la gloire et à l'infamie sont également proches. Chez le penseur, l'homme d'État peut recourir à la cruauté et à la ruse, mais s'il veut atteindre la gloire, il ne peut recourir à ses moyens qu'en vue du bien dans ses êtres humains et en limiter l'usage au strict nécessaire. Si ça donne aux moyens extrêmes sans retenue, alors comme Agathocle de Syracuse, il sombre dans l'infamie. Si au chapitre 18 du Prince, Machiavel suggère un usage méthodique et économique de la violence et rappelle que les héros guerriers de l'Antiquité avaient été éduqués par le centaure Chiron et que donc les hommes ont une double nature, homme et bête, il n'en demeure pas moins que si l'homme ne veut pas tomber dans la tyrannie et s'il veut atteindre la gloire, il doit être prudent, économe dans l'usage de ses moyens. Machiavel note, début de citation, « Par cet instituteur, moitié homme et moitié bête, ils ont voulu signifier qu'un prince doit avoir en quelque sorte ses deux natures et que l'une a besoin d'être soutenue par l'autre. Le prince, devant donc agir en bête, tâchera d'être tout à la fois renard et lion, car s'il n'est que lion, il n'apercevra point les pièges. S'il n'est que renard, il ne se défendra point contre les loups. Et il a également besoin d'être renard pour reconnaître les pièges et lion pour épouvanter les loups. Ceux qui s'en tiennent tout simplement à être lion sont très malhabiles. » Fin de citation. Machiavel distingue renommée, en italien fama, et gloire, en italien gloria. Selon lui, pour acquérir la renommée, il est nécessaire d'accomplir de grandes choses comme le roi Ferdinand le catholique l'a fait. Mais cela ne suffit pas pour la gloire. En effet, la gloire requiert de la splendeur, tant dans les buts suivis que dans les moyens employés, ce dont ce souverain n'a pas fait assez montre. Fin de la deuxième partie de l'enregistrement. Les sections 6, 7, 8 et 9, l'infobox et l'indication de la licence, sont dans la troisième partie de l'enregistrement.